Si vous avez une carte de crédit CIBC et que vous avez acheté des cartes cadeaux en ligne avant les fêtes, vous avez peut-être une belle surprise d'après Noël dans votre relevé. Parce que pour la CIBC, l'achat de certaines cartes cadeaux est considéré comme une avance de fonds. Une avance de fonds, c'est quoi? C'est lorsque vous vous servez de votre carte de crédit pour retirer de l'argent comptant. Et il y a des frais pour ça et un taux d'intérêt plus élevé qui, en plus, s'applique dès le jour 1 de l'achat et non après la période de grâce habituelle. Un consommateur qui nous a écrit a acheté 4 cartes cadeaux chez Sephora et Lululemon. CIBC lui a imposé 27,50 $ de frais d'avance de fonds. Avec les intérêts, ça lui a fait un total de 31 $ de frais pour acheter des cartes cadeaux. Monsieur trouve que c'est abusif. Et le problème ici, c'est que si une banque veut vous imposer des frais, elle doit vous le dire. Sinon, elle n'a pas le droit de le faire. Et dans le contrat de la CIBC, il n'y a rien à propos des cartes cadeaux. Que nous répond la CIBC? Qu'elle est en train de réviser ce processus. Mais sachez que certains ont protesté et se sont fait rembourser les frais, sans les intérêts toutefois. Alors, si vous ne voulez pas vous faire passer un sapin d'après Noël, vérifiez vos relevés.